Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et confiance na Congo Live Télévision et bienvenue dans l'émission Nabino dernière minute. Émission Nabino, il y a décryptage, il y a autopsie, il y a différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est suspendue par rapport à la situation à l'est, il y a Bunaga, na Kuna, na Nord Kivu, Izalaki vraiment emploie un combat intense entre le FARDC et le M23. Jusqu'où iront le FARDC dans le conflit, dans cette guerre enclenchée avec le groupe terroriste et M23 dans le groupe Moussoussou. Mais également, cette visite, il y a roi Philippe, roi de Belge en République démocratique du Congo, et il y a vraiment attention, il y a population congolaise dans son ensemble. Roi Sidiko passé 6 jours dans la République démocratique du Congo, à Zalaki, à Kinshasa, à Kelubumbashi, à Soukissi, à Boucler visite nae kuna na Nord Kivu. Vraiment, quel est l'impact il y a roi de Belge en République démocratique du Congo? On en parle avec notre invité Namoko Lualelo Dozali Nandeko Manoka, président Manoka Azali Moko. Il y a cadre, il y a UDPS. Ndeko Manoka, mbote nayo. Mbote mingi nayo pe ndeko journaliste. Merci mingi na koyembe me pa nayo. Ndeko Manoka, Makambu, situation sécuritaire toujours préoccupante. Il y a Est, il y a République démocratique du Congo, les FARDC, il y a un intense combat. Déjà, la nuit, il y a dimanche, na lelo, lundi, kuna na Bunaga, na. Comment faire justement pour colmater le brèche? Comment faire pour na ko restaurer paix na ba à différents coins en conflit à Mboka na biso? Merci mingi na mutuna na yo deko journaliste oyebi tika na banana nu kopé sa ba salutation na le premier citoyen de la République, surtout que c'est le jour de son anniversaire, na pe sa heureux 59e anniversaire ya Botama na ye na koloba que ye lisusu mokonza mboka oyo azala ba nerf solide, vous savez. Azali toujours écoute na ezali kaka na mabele esika bitumbe ezali ko se passé et pa yopi pe tokobosa na te longoni na ba FARDC oyo bazali comme ba vaillants hommes ko défendre intégrité territoriale ya mabele ya Congo oyo Lumumba ba kimpa vita na ba fumu kimbangu batikaka pe basuetaka ezala ndenge wana ekamema na bana mboka to pe mwana ya mboka solo solo le digne fils du pays ndenge ezala kikoloba. Donc tangu Lumumba lobaki ke bakokamba bana ya mboka Congo bango moko bakokoma histoire ya mboka na bango, c'était en prévision ya baimboka penza o bazala makila de père et de mère nde bakokambaka RDC na bango. Donc voilà que les loboe mboka na biso na parti est na Kuna na Rutshuru Bunagana ezalaki toujours terrain ya ba intense ya combat ba affrontement makasi ezo ko sali makuna au point que mokonza mboka zali ko multiplier ba déplacement topé ba na cadre ya diplomatie ko solola na bisika no so esengeli po à tout prix ko récupérer kimia oyo ya ba ndeko na biso na est ezali un peu perturbé. Ma pinga ya FARDC bazo vraiment au front hein, pour récupérer cette cité. Tout à fait. Présentement Bouizali occupé à moitié avec le rebelle du M23. Na se rappellera toujours que Kondo Tshisekedi au pe natanga qui était donc parmi bato ancêtre ya RDC tokotanga na
donc Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba une fois à l'obara que soki tolingi kimia ezala malamu na mboka na biso surtout na parti est il faut une sécurité ya solo solo ça dit qu'une vraie sécurité oyo ezala assurer na bana mboka ya solo solo ozomoni ba théâtre ezo salema kuna ezali beaucoup plus ba infiltration oyo banda ko salema depuis kala na kokolo ba des décennies plusieurs décennies infiltration salemi ba s'installa ba zo esika na esika ya ba imboka au point que bana imboka solo solo moye bazala na lobaté parce que baza infiltré na plus haut niveau moni ba officier supérieur oyo c'est-à-dire que ba régime oyo leka ki la fois passé oyo te koleka ba installa ki ba officier supérieur étranger na mboka sikoyo batiki ba ba homme de troupe au bakingela ka ba frontière bazala ki na loba susuté ils sont sous les ordres ya ba officier supérieur oyo moyen ya kosala eloko ezakita donc moi na mboka Etienne Tshisekedi alobaka que il faut une sécurité et bangisa ta munguna azwa ta quantité ya kopusa voilà que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kokoma na ye na pouvoir akuti déjà situation donc ya kopola tokoka ikutu il faut dire aussi merci na moi na mboka Félix pour na moi ba résistance oyo ne FRDC oyo ya kuti moni FRDC bah élément où il y a le même langage ils allaient qu'on continuer sur la question il y a infiltration comment pour arriver parce que si aujourd'hui le nez des problèmes ils allaient infiltration comment extirper ce quoi bah virus ou on a le mal les chefs au sein de FRDC les chefs ils travaillent ils allaient qu'on travaillait au moment qui tout récemment à Wandenge démasqué qui officier supérieur au Bazali ko trahir armée na kati ya structure et je vous dis que infiltration ya armée na biso et ça le mis depuis et ce n'est pas seulement dans la milieu armé et ça même la milieu politique donc c'était juste une entrée AFDEL mais bien avant cela j'ai toujours évoqué l'ordonnance que le président Mobutu avait pris pour donner 20 km² de terre au Rwandais. C'était sur l'initiative du directeur de cabinet de Mobutu, Bisengimana. Bisengimana avait, je ne sais pas, ce qui a salaka Mobutu et l'Okoni Nipo, Mobutu a signé ordonnance Wana. C'était bien avant, c'est là, dans les tout premiers jours, il y a Mobutu au pouvoir. Moni, Bisengimana est Rwandais. Tu as habité quelle amitié, quelle connaissance avait Bisengimana, quel envoûtement a Pesaka Mobutu pour Mobutu a Pesaye. Confiance, il y a que ce soit Rwanda, que ce soit la Yango, que ce soit un Rwandais, que ce soit pour ce monde, que ce soit 20 km² y a Mabele, et Mabele en Wapi, na Kivukun. Na koka mwate, ce qui est le Rwandais, vous voyez que après Makama Mobutu, bien après, Kabila Joseph, vers les années 2008, j'ai suivi beaucoup de vidéos, entre autres, il y a Vital présent à UNC Lilo, Vital Kamere, Tangwa Nazala qui, je crois, présent à l'Assemblée nationale, Nalandi, professeur Kalele, où il y a dénoncé. Mais c'est ça, les Congolais et les autres internautes, il faut bailler, bakapé, histoire, yamboka. Ne pas connaître l'histoire de notre pays, c'est ça ce qui nous amène naba makambo tuzo vivre lelo et ba mususu balobi que non yende nani aliko sani atika biloko wana mais alors l'histoire ya mboka na biso ezali toyebi yango te voilà pourquoi toza ko vaciller. Donc professeur Kalele pe a insisté là-dessus alobi que mboka na biso Kabila na batu na ye ba signa ba accord na Rwanda. Imaginez, vous avez signé un accord dans Rwanda, le service de renseignement rwandais, le côté de la RDC, le Tambola, le Salamoussa, le Bango, librement. Où a-t-on vu ça? Si vous avez entré à AFDEL, qui n'a pas vu être nommé à la tête de FRDC un Rwandais de pur sang? On a par rapport il y a accord bah signé qui non mais maquis bon nous on n'a pas vu ces accords là au musée qui s'est révolté en chassant maintenant bateau mais non mais c'est lui on aurait
supporter toti kata na passion to zalaki ba rwando ba kotaka avant et ba kozaka biso apparemment problème pe na makasité hein, à part nous ne savons pas dans leur cœur ce qui était caché. Mais tant que Moses aye ba couper ça James Kabarebe rwandais de pur sang à Konza FRDC nani assis à mona et le coin dans monde entier qui a déjà vu ça. J'ai rigolé un peu mais avec moi pas si na monter mon amoni moi na moko azoba moi c'était est-ce que c'est une décision mon pays on peut pas les qui prise na sous ivresse tout non comment ça même s'il faut faire les malins même s'il fallait faire les malins ce n'est pas en nommant un Rwandais à la tête de notre armée. C'est vendre toute l'armée de la République. C'est ça ce que Mouzé a fait. C'est comme ça que moi, je ne les classe pas parmi les... parce que c'est les libérateurs ou les héros. Mais je ne les classe pas comme ça. Il est parmi les héros nationaux. Non. Arrêtons-nous avec les Lumumba, avec les Tien Tshisekedi, oui, ou les autres, peut-être Simon Kimbangu. Mais pas avec les gens qui nous ont amenés. Dit, vendre l'armée, beauté qui armée, pas ya moupaya. Imaginez un. Na tête ya armée, beauté rwandais. Si que naba, poste moussouswana, imaginez la suite. Ndeko Manoka, si que aujourd'hui, nous devons être pragmatiques par rapport à incursion, par rapport à attaque, à combat intense. Maintenant, tout le monde a. Ça est comme une répétition. C'est-à-dire, une fois, FRDC va attaquer M23 va Kimi, FRDC va occuper le territoire, M23 va Zoni va répliquer. Mais comment faire ce qu'on a dit, y a ping-pong. Comment faire pour stabiliser la situation place Wana c'est quoi je vous dis que la complicité était intense, était énorme. Il fallait y travailler. De manière assidue, les chefs de l'État y travaillent avec les services d'intelligence, mais au moins, tout s'attaquer na fond moko, tiki ba position pour na kokenge la ta ba frontière na biso. Mais le col la infiltration ezali na kati. Il y a des gens na kati bouvandi pena bozo mela café ba yebi ke non ero la la. Ils signalent de l'autre côté non bah, venez nous attaquer par derrière parce que nous tous en la position bon. C'est ça. Même la situation au niveau d'ici. Mais je sais que le chef de l'État, Oebi Kesoki, Tozaki Makasite, Togo ça a deux jours à combattre. Togo ça a deux jours à combattre. Ce qui est la stratégie, mon sous le quoi chef a multiplié qui était. Togo ça a deux jours à combattre. Au-delà du fait qu'on est sous embargo, il y a Chadar même. Mais oui. Le FARDC s'est débrouillé pas mal. D'ailleurs, il y a des démarches un peu partout dans le cadre de la diplomatie pour que les VBISO mesurent, il y a embargo pour que tout banda officiellement consomme arme tout ravitaille armée na biso. J'ai aimé que les 9 awa déjà français na kibomango otiko si sa formation na deuxième bataillon déjà premier bataillon si ça qui déjà livré na FRDC mais na deuxième bataillon si formation et je crois que c'est une bonne chose apparemment à peu près 800 hommes au Basali a guéri, une formation, il y a affrontement sur le terrain. C'est une façon d'opérer maintenant un changement au sein de l'armée. Mais déjà, avec la formation, il y a ce au Basali, sur le terrain, Basali, Basali infiltré. Au Ebi Poto Boto, sur la résistance, Makasi contre M23, il a attaqué AOP, l'Aksagi Bango Makasi à FRDC. Mais c'était. Changer qui code. Moi, je code échanger qui m'a appelé ça qui, la directive, je suis de mon qui, donc ennemi a été surpris à Okama, comment code, je suis de finalement, je suis pris d'assaut. Donc, ils ont fait ça, mais l'infiltration, ils allaient sur place, ils allaient démasquer, ils ont détecté, basali qu'on détecte bah moi en désordre puis calamité au koyoka bah mususu bah kimikutu mais bah mususu yobazui bah kosam bah baye bisabiso bah komaka ma militaire congolais ndengenini yozwa qui formation est-ce que c'était pas par brassage mixage non, mais oui nous savons que par brassage les babilo ko basala qui armes contre $100 balan tout ça ils sont complices
Ce sont les mêmes armes qu'on remettait. Et ils ont dit que les gens ont payé $600. Ce sont les mêmes. C'était ça. Ça, ma banaki déjà eux-mêmes, ils ont dit ça. Ils ont dit achat d'armes, mais il y a des $800. La caméra, il a payé sa image, et puis $100. Il y a aussi $100, et puis armes. Car les mêmes armes que ça consomme. Les mêmes armes que ça consomme. Si c'était au nom de la paix, mais pourquoi mon boulot aussi l'a quitté? On a semblé dire que non, voilà, Moni M23 va calmer qui bango, banane, tout ça, Joseph Kabila calmer qui bango. Mais non, c'était par accord au Bayokanaki, si quoi, au Bakomi, qu'on revendiquait à Mondengeni. Pourquoi ils ont. Mais tout ça là, nous avons connu, nous avons compris, c'était parce que c'est la tête de Tshisekedi qu'on visait. Au Moni. Parce que là, qu'on visait la tête du chef de l'État qui a dit non à l'exploitation illicite, à l'extraction illicite, à la minerai à Congo. Il a verrouillé tous les circuits. Maintenant, là, ils étaient même, programmés ou proclamés premier producteur de cobalt, premier coltan. De coltan, maintenant là, ce n'est plus. Oh, il y a beaucoup d'exalités, mais beaucoup de producteurs. Maintenant là, tout ce qui s'est ravitaillé à partir de Rwanda, il y a des pays voisins, ils sont bloqués. Maintenant là, il faut faire par tous les moyens le faire sauter. Mais Félix, c'est un béton, comme nous le disons. C'est un béton, il l'a verrouillé partout. Si vous voulez trouver la tête de Félix, c'est Bisika Telemeli et Simbate, Dieu est en train de le protéger et le monde entier, dans le cadre de la diplomatie, il est fort. Donc, Manoka, il y a certaines indiscrétions. Où ils ont dit que PSA était M23, au-delà du fait que ça a appuyé par l'armée rwandaise, ça a été appuyé par l'armée ougandaise. Est-ce que cela est avéré? Je dois position savoir. Nini, Oyo. RDC, il faut un angle vis-à-vis de nos voisins, notamment Ouganda. Oui, bien que dans le domaine militaire, surtout dans le domaine sécuritaire, ils ont la mala mumingité qu'aux la décision la précipitation. Bande qu'on a biso na Burundi, na Bakimelaki, Babimelaki, pour na Visov, Babimina, na Ouganda, parce que la route était à un certain moment bloquée, coupée, et puis Bazongeli nous allons à Ouganda. Et quand l'Ouganda dit que l'élément de la bise au Bimelikuna, basé protection à Ouganda, nous avons l'information, mais il faut vérifier ça. Parce que l'ennemi peut aussi créer. Bah, d'ailleurs, nous avons dit que chaîne, il y a beaucoup de chaînes, Oyo, l'ennemi a exploité pour appeler sa fausse information pour décourager les FRDC sur Bazan à front. Mais tout le monde que ce qui est à Bongo, mais non, c'est tout à fait normal. On peut avoir signé des accords pour marcher ensemble, mais tout ça, les deux pas, trois pas, tout le monde dit que ça ne marche plus. On peut rebuffer, on peut. Tout le monde dit que non, ça ne va plus marcher. Ça peut arriver. Mais ce qui vraiment te réaliser que, avec l'Ouganda avec qui nous avons signé un certain nombre d'accords, tout le monde dit que l'Ouganda. L'opération conjointe, léger, notamment. L'opération conjointe, qui a payé aussi. Est-ce que ça c'est sincère? C'est qui pays a payé, voisin. Qui a payé le aussi. Burundi, mais l'Ouganda. Si, L'Ouganda, le Burundi, mettez-le un peu à côté. Mais avec les autres là, comme le Rwanda et l'Ouganda. Si tous les Rwanda, parce que le Rwanda, il est clairement établi que c'est le Rwanda qui soutient les M23. Alors, si l'Ouganda vient à rescousse à l'armée rwandaise qui soutient les M23, nous allons tirer les conséquences. Nous allons tirer les conséquences à tant que... Je sais que les services intelligents au sein de la FRDC, basali ko yoka kotala ko analyser ndengenini riposte et ko ikozala. Mais, information tozanango, juste en après-midi awa, qui est FRDC à contrôler l'ensemble, il y a cité Oyo, il y a Bounaga, donc ça, mais nous attendons les communiqués officiels. Il y a porte-parole aussi militaire. Tout à fait. Mais déjà, toujours Pesalongo, il y a FRDC parce que Kobunda Banda Boutou,
timo ilelo ils ont l'insécurité ils ont facilité ce que bazaki armé moko ya makasité mais les déjà basi ba lacha qui déjà ba tiki moko parce que bunaga nezali na route na porte ya Goma moni donc ceux qui bazui Goma d'ailleurs Masolo wana ezala ki déjà ils étaient basi ba lansaki déjà message que bako attaqué boy bako attaqué Beni bako attaqué bunaga na po Goma est tombé yango moko Beni tombé tout ça là bas avancer. Ils veulent tout simplement baza na parti moko pour ba mettre en chair pour ba mettre en chair na négociation ba obliger Kinshasa na bango ba le rôle na position ya force bi position de force quand vous avez c'est ce qui s'est passé lors ya mnata on a ba 1+4 hein les gouvernements 1+4 et bimaki parce que tel contrôlait une partie maintenant Kabila avec son gouvernement ne contrôlait qu'une petite partie ya Kinshasa wana et ba mboka mususu maintenant là ba 1+23 ba lingi mais avec l'appui du pays où le Rwanda où basa que des bango bakanga déjà une bonne partie comme ça na ba négociation le contraindre va contraindre le gouvernement Kinshasa na négociation na Nairobi ba solo la siko yo bon ça va tant ba yo kana bon biso to lingi peto kota na bensiso parce que leur désirata c'est que ils veulent aussi intégrer les institutions du pays. Oh, bah M23 wana, il collabore avec les hommes politiques ici et entre autres la régie, bon, la Kabylie est tellement impliquée dans ça, bah, très content dans Makambouana, bako se retrouver na Katikuna et puis ils viendront maintenant imposer bah système na bango na Katianani. C'est ce que le président Félix ne veut pas et que nous Congolais de pur sang nous solingi Makambouana te. Maintenant quelle est la politique, hein, la politique gouvernementale? Na mesure que parce qu'il y a des déplacements massifs vraiment il y a population au bazar de Kotika cité à Bunagana pona ba kota Uganda ba kendebwe à chaque conflit tout le monde va déplacement ils allaient comme ça là bas est-ce qu'il y a une politique où ils allaient déjà mise en place na en telle enceinte que non ba imboka wana ba zonga ba banda na mboka ou bien il faudra attendre moment où il y a guerre, où il y a conflit, où il y a guerre aussi là, mais ben il y a un bâtiment qui est aux hommes. Non, au début que Naibsi qui aura que les FRDC, bah élément Naibsi et FRDC, bah ça là qui na position, il y a contrôle na ligne des frontières. Maintenant là, ils ont été surpris. Monguna a surpris Naibsi, alors que Namasolo na chef de l'État na Angola. Et Zalaki, Bazali, Babengi, Bangokuna sur demande de l'Union africaine, na conduite ya président Lorenzo, pour Bassa la Bango, ba trouver na lundi communiqué ya président ya commission ya Union africaine, oyo Azali ko sanctionner ba trouble wana. Mais pendant que Bazo sur la kuna, les FRDC ont été Bazaki surpris ya koyoka que attaque moko ebimeli Bango, et voilà. Donc situation Zalaki un peu calme. Si la population oyo ba armée ils ont surpris ils allaient tomber dans l'embuscade ba tomber dans l'embuscade embuscade coûte ba surprendre bango ba population oyo ba yeba ki coûte de l'autre côté ba mutuna mutufa kima na nzela nini ouais sauf qui peut maintenant là que normalement il faut bazwa bisika oyo mobulo ezana mte ba ke ko s'installer c'est là où les gouvernements y en place ba service ya l'état en place bazo prendre soin na bango pour ba meka ko obi ke ko kima ya batebele ezala toujours moi panique hein moi panique les gouvernements va les installer ba ko organiser ko vanna na bango pour que bazala na moi quiétude moi kimia pendant que kuna solution militaire ezali ko zoma. Entre temps, la diplomatie fait son travail, et surtout que le coup, la Union africaine, na Union Conseil de sécurité, bah ça libre condamnation pour un pays où ils allaient quoi agresser RDC, parce qu'il est établi Conseil de sécurité a lobby clairement que les M23 soutenus par les Rwanda a zo agressé puis bah pendi mato et que Atika pour sanction que Koya est grave. Du coup, Mano, qu'est-ce que le message n'est ni au pays ça. Na bayimboka oyo bazali na Bunaga na kuna bao bazali na est na Beni Butembo na Ituri oyo bazali ko assister du jour le jour na ba exaction na ba tuerie
est-ce que vous pouvez avoir un message, une lueur d'espoir que nous, la donne va changer bientôt. Na koyebisa bango na loboko na motema kolobake ezali bino tende boponaka kovanda na est boponaka bozala ba bitan ya eteni wana ya mabele. Nzamba yebi situation na bino bozala rassurer ke ekobongwana pe kimia ekokota definitive. Oyo bazali kosala ezali lokola nyoka bakati mutu bomo nzote za koningana. Mokonza mboka oyo azali kolala te bomoni azosala ba va et vient entre Kinshasa Rwanda et pardon Kinshasa Luanda Angola et toi qui na Congo Brazzaville tout ça eza pona ko luka kimia na kati ya Congo bandoki oyo bazali ko pesa bino kimia o bazako kana na ba démon po ba pesa bino mobulu kimia ba kolonga kate po nzambe atinda bato ba boma makate po ba po na ba intérêt ya mabele biloko nzamba pesa bino po bomengo bazoluka ezali oh nzambe apesa na bana mboka sikoyo bozala na kimia bozala na espoir bozala na espoir bozala na espoir que makambo ekobongwana nzambe akotika bino te po bino bosali mabete bato bazoya koboma bino bazoya kobundisa mobulu epa na bino ezali po bawela nde bomengo oyo nzambe apesa bino oyo bino bozala nango pe bango bazala nango te bozala na elikia que gouvernement de la république mokonza mboka en tête atikite azali kolala pongite pona ko situation ya est voilà to betesko masolo na makambo itali séjour il y a roi de Belge roi Philippe azali kina la reine Mathilde mais également na une délégation gouvernementale va passer 6 jours ici na République démocratique du Congo Kinshasa Lubumbashi ba sili ko boucler séjour na bango kuna na Goma mais il y a de langues hein, il y a des tirs croisés justement par rapport il y a impact même il y a séjour il y a arrivé à il y a roi na République démocratique du Congo est-ce que toko loba na impact moko positif tout impact moko négatif arrivé à roi na République démocratique du Congo bon nako merci mingi nako loba que impact positif, oui, parce que ce qui d'abord, oyambi mopaya, surtout que mopaya ngweza ya PTT, il faut le rendre heureux pour avoir accueilli na ndaku na yo, oyambi mopaya munene, et ça na nous sujet ya sengo. D'abord, nous sommes des Africains, to yebindenge nini, ko mopaya pa na yo ezalaka. Et roi. Il y a Belgique, Ayaki Awa, Namwasinae, la reine Mathilde. La reine Mathilde, Nakati Amabele Nabiso, Ezali Kotalisa, Kozongisa Bondeko, Oyo, Tozanangona Belgique. Ce qui est battu, Naebi qui est battu, Moussousou, Bako Komonango, pour Naokipe, commentaire, mais il faut to kumisa bonde koto ravivement ya moto oyo et koufaki entre bisona Belgique to zongisi yango na nzela ya diplomatie oyo mokonza mboka azali ko mené mais ba imboka mingi ba ça télé beaucoup plus mais est-ce que il faudra tourner la page ou bien il faudra passer à la réparation il y a ba trop cité nyoso Il y a un peu de mayel. Mais moi, je dis ceci. Pourquoi la classe politique bah, ko zala, na bolema boye, hein? Parce que je me rappelle, il n'y a même pas 10 ans, 5-6 ans, oyo Belgique à l'obaki, nanzila ya premier ministre na bango, c'était en Belgique, à l'obaki que tozo senga bolimbisi na RDC. C'était en présence des enfants de Lumumba. Bazo senga bolimbisi pona liwa ya Lumumba. Wana bango babosa na bayebi wana te mais lelo awa soko ki français mondele hein bato bayekoli ba langue ba lobaka ba kolo langue ya français soko lobi ke je suis désolé hein mondele soko sali yo mabe abi oh je suis soko zo regretter ngalo baka je suis désolé bato bayekoli wana oyo bayeko bazayiko senga kaka il faut alo ba pardon
Bah, il y a des Français. Quand les Blancs vous disent que je suis désolé, ça dit qu'ils regrettent le mal, mal qu'ils vous ont fait. Là, il y a pardon, il faudra réparation. Mais c'est ça. Le bien spolié. Je vous dis des choses. Je veux vous dire. La Belgique qui mena là, Belgique a zappé, na moi étape moko ya vache maigre, a zappé, économie na eza un peu na problème. Le roi connaît bien que ce qui a répondu à une exigence na bino, que pardon na RDC pour na ceci, cela, ba conséquence juridique est koya que ba sengaye réparation. Hein? Maintenant là, ces mêmes gens-là qui exigent au roi pardon à Bazali Kozela, ceux qui a lobby pardon, voilà maintenant, il faut au futa, la réparation. Alors, roi Ebike, ceux qui ont lancé, ils ont coupé ça au problème parce que la Belgique, maintenant, là, a zana makasi mingi te financièrement. A zana problème financièrement. Surtout après coronavirus, après la réalité belé, surtout moni guerre à Ukraine, la Russie, et fragiliser un peu l'économie à niveau mondial. Voilà que devant ma réalité, d'ailleurs, RDC Koutou, Ndenge Bazo félicite la Banque mondiale parmi les pays où a bonne gouvernance, où ils ont liqué à gagner sous 7 milliards. Au moins que la Belgique, beaucoup d'autres pays européens, voilà pourquoi tous ces pays-là, Bayokanaki, que non, d'abord le roi doit faire, parce que la Belgique, c'est notre. Azali, pays Oyo et colonisa qui Bissau, et colonisa qui RDC. Donc la paternité lui revient. Il faut d'abord Belgique. Paternité ou Tikela Batomoussou, hein? Na présentement Tikela Batomoussou. Non mais attends, ce qui implication vraiment à Belgique n'a pas problème. Non mais parce que congolais, donc ce côté qui n'a guerre froide na Belgique, si bien que moi bah tendance bah et loco la relation Izalaki toko kozana ambassade kuna ambassade ah mais les relations en soit Izalaki un peu na froideur si koyo mokonda mboka tanga kinaki kuna bah yambaki ye parce que les gens na oki batamayele entre guillemets balobi que non est-ce que Félix bako ke ne kuna ba mobiliser oui on a mobilisé. Seulement les Blancs ont sa manière de mobiliser. Les Noirs que nous sommes, les Bantous, nous avons mobilisé. Nous avons mobilisé à notre manière. Nous avons mis roi, roi na culture Bantou. La culture Bantou. Les rois, na koki kondimate que roi local est à Belgique, toi yambaika ka local la bongo bongo parce que basala ka biso mabe maintenant. Non, lui-même n'était pas là. Nous aussi nous n'étions pas là. Mais lui, le roi des Belges, vient regretter sur notre sol que non, nazali ko regretter mabe salaka. Mais il faut ce qui déjà non ta Nzambe, Nzambe mokeli. Ce qui a lobi na ok au côté na conflit na Nzambe. Ce qui yo lobi na Nzambe, j'ai vraiment regretté le mal que j'ai fait à Dieu. Nzambe pe aza d'accord que au regretter na mabe parce que li sumu e ko mabe pa Nzambe ce qui ozo sepela na yango. Mais ce que vous regrettez, ma belle au sali, nous sommes d'accord, nous avons Monique, je suis la voix. Maintenant, le roi, en regrettant, a dit que ma belle, comment traiter Moutou, Moko Bongo, Premier ministre, sur quoi il y a pays où il colonisé, qui a traité Ndengo, il a traité Ndengo, il a traité Ndengo. Regret, en tout cas, pour Nangaï, n'a quoi appuyer les discours du chef de l'État, où on dit que il faut tout tikana nous passer c'est l'équi, soit tikana mika na passé, tout comme ça là et l'autre côté na venir. Il faut tout tika tout balancer à la bonne. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller ensemble? À boucler qui vraiment séjour na ekuna na goma, à côté na docteur. Qui est vraiment un tableau un peu sombre, situation en sécuritaire à l'est de Mokanabiso. Est-ce que na souhait, il y a docteur Denis Mukwege par rapport à roi, par rapport à lobbying pour la paix na Mokanabiso. Est-ce que la Belgique est prête, il y a qu'au prêter vraiment main forte na sur le plan sécuritaire, notamment à militer pour na qu'au déverrouiller embargo. Je vous dis que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
oyo et futi pour faire déplacer roi ayaa roi yakia roi Albert II ayakiawa en 2010 oyebi ndenge zalaki. Mais cette fois-ci loko la diplomatie toute l'Europe maintenant bayebi ke yone papa na bango il faut yonde otoyo kanano yo. Mais le roi en venant au Congo asuki na Kinshasa te abi, mais laissez-moi vivre les affres de la guerre na est. Mais il faut féliciter, le roi est allé jusque na terrain à Bitumba kuna na est ya pays. Et si oh, ce n'est pas n'importe qui a risqué à kuma kuna. Et j'ai beaucoup aimé, na regardé na talaki nambo ba petit détail, le roi en allant là-bas il azota mona avion militaire. Ayaki na avion militaire. Kaka tanga dozonga na zongi na avion civil. Mais ayaki na avion militaire, vous savez que un avion militaire et ça est pas militaire. Donc étant molaka na biloko ba militaire, l'avion là était venu na Congo na biloko ba militaire. Na sukika wana na tcha commentaire mususu. L'avion est yaki na biloko ba militaire. Na biloko ba militaire. C'était un avion militaire. Les rois en se déplaçant à un avion militaire. A Keiti na est na avion militaire na sukiwana. Sikoyo ba pays nyonso wana oyebi ke Belgique ezali siège ya ba institution, ya institution ebele pe lokola Union européenne. Tous ces pays ya Union européenne ba sanganaka na Belgique. Donc la voie autorisée en envoyant en acceptant que le roi vienne au Congo dans le programme ya visite ya roi na Congo. Ezali malamoko kolobake, le roi a la possibilité ya kokumba maloba na biso et pas ya Union européenne o esanganaka pa na ye to na ndaku na ye na lobabongo na ndaku na ye na Belgique Union européenne esanganaka kuna. Donc roi aza mutu mukete bouche ya roi koyebisa makambo kuna kolela makambo RDC ABC kuna na mesa bafandaka na Union européenne. Et kozala et koyoka na Union européenne mobimba pe bango nyoso tout bakoyoka ngo na bouche autorisée ya roi oyazali moko ya batata ya colonisation ya RDC. Ndeko voilà donc nazo conclure bongo kolobake na cadre ya diplomatie bango nyoso omoni ba pays mingi ya Europe bazali kotala babi tozela roi mutu akende kuna ye mutu akopesa biso roi akeiti na est pa confirmer bango ke il fait mieux vivre au Congo. Attends la paix si vous voulez que bitumba kuna nga na komangiti kuna voilà okoyiko investi pe na Congo okomoni ba okomona ba retomber parce que déjà ça a un impact positif, déjà positif, pour la RDC. Un impact positif à ne pas négliger. Koya ya premier ministre, koya ya na ba ministre na bango tout un gouvernement. Donc ba yé po ba confirmer que tala biso to kenai kuna tout moni mamaka muto sali et puis c'est tala roi yeti na ba bisika bateka ka ba bana. Vous pensez que c'est un message, il donne un message à Talibé Lamba ba sombi moi ba maputa ba nene tout ça, c'est pour faire voir aux gens que non monde entier botala parce que il était suivi par tous les pays du monde ba moni biso moto ke ikuna to moni to sombi boy to Talibé to Talibé même dans la zone de combat to moni et les restes on va voir. Le roi a dit que a couper sa soutien à FRDC et à la République démocratique du Congo. Au début, que tant que Belge, il a couper sa formation dans les années 90 et 80. C'était bien et notre armée était ce qu'elle était. Maintenant, ce qui a couper sa bise, il a aussi bondé qu'on a bise, il a bengi, il a kumbi, il a malo banabise pour la cause, il a embargo, levé embargo. Je crois que tout ça, l'armée, mon co, les candidats, tout ça, les loups. Donc, au Manoka, tu rappelles aux années 4, il y a eu le PS, tu sais qu'il y a tout de boutons. Merci Mingi, na PCOP, merci. Na Ndenge Wemba Kingai, na missionnaire. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, vous qui nous suivez à travers le monde, merci de votre sympathique attention à votre émission Dernière Minute qui a été réalisée par Joe Mukenga. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec un autre invité, avec le même plaisir que nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Congo Live, la télévision.